Tu n'es plus présent. On ne te voit plus pratiquement. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Je te comprends, chérie. C'est juste que je suis un peu bousculé au boulot. J'ai beaucoup de scènes compliquées. Fred, arrête. Tu as toujours eu beaucoup de boulot, mais tu trouvais quand même du temps pour nous. Les enfants ont besoin de toi, et moi j'ai besoin de toi. Calme-toi, chérie. Je ferai des efforts. C'est ce que tu avais déjà dit la dernière fois, et moi je... Hey, écoute. Je tiens à vous plus que tout. Et cette fois-ci, je suis très sérieux. Je vais m'améliorer. D'accord. Oh, Laura Grenouille est de retour. Ils ont vraiment besoin de revoir Laura Grenouille. D'accord. On va? Aïe! C'est quoi le souci, chérie? Vas-y, dis-le, c'est quoi le problème, baby? Vas-y, dis-le, c'est quoi ce silence? Ce silence, c'est quoi ce silence? Ce silence, oh, oh, oh. C'est ainsi que le roi Grenouille engage à la bataille contre les abeilles. Tout le monde à table. Et à la fin, le roi Grenouille remporta la victoire. Mais resta à jamais avec les boutons laissés par les abeilles. Hé hey! Tout le monde à table, ça va refroidir. On va manger? Allez. On va manger? Viens, mon bébé. Tchou-tchou. Va, maman te porte. Ok. Passe comme ça, chérie. Nous dire où est Connor, Mulligan. Je ne vous dirai rien du tout. Alors, si vous vous tirez d'ici tout de suite, je pourrais envisager de ne pas porter plainte. Voudriez-vous, s'il vous plaît? Eh oh! Bon appétit! Merci, papa! Ça vous dit une petite sortie ce week-end? Oui! Comment ça? Cinéma, piscine, manège. Ce serait génial! Ouais. Sérieux? Ouais. Une journée torride. Tu parles, Fred. Heureusement qu'elle s'achève. Enfin. Alors, Ben, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Allons-y. Ok, bon. Tu salues Sonia et les enfants de ma part. Je ne manquerai pas. Chérie, penses-tu encore pouvoir respecter tes engagements ce week-end? Princesse, je t'ai promis d'être présent. Alors, je suis là. Mais parce que là, je te vois un peu fatiguée. Hey! Regarde-moi. Je déborde d'énergie. Je peux même électrifier toute une ville. Je vois ça, chérie.
qu'est-ce que ma tendre moitié a concocté pour moi? On a du couscous ndjapche. Et un peu de sauce jaune, juste pour toi, chérie. Waouh! Je suis gâtée. Je t'aime, Fred. Et j'aime te voir épanouie. Moi, je t'aime comme au premier jour. Je ne suis pas prêt de changer. Je ferai tout pour les enfants et toi. Merci, mon amour. Ah, le roi Guénou doit se gaver. Ok, viens. Donne. On y va. Tu me tues, ouais. Avec tes faux malaniki. Tu m'assassines lorsque tu bouges ton body. Ton regard sur moi différent de tes copines. Tu m'appelles pour une soirée carré VIP. Mamma mia, mamma mia, señorita, señorita, mamma mia, mamma mia, señorita. Tu l'as couché? Oui, il n'est pas prêt de se réveiller. Je suis fière de toi. Dieu m'a bénie en te donnant en moi comme mari. Écoute, mec, tu vas pas te laisser abattre, non? Tu ne vas pas continuer à te morfondre comme ça. À force de le faire, tu vas finir par piquer une crise. Et pourquoi même? Pour une meuf? Non, mais ce n'est pas qu'une meuf. Je l'aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je ne peux y croire. Non, écoute. Il faut que tu y crois. Si tu l'aimes comme tu le dis, bats-toi pour l'avoir. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis pauvre. Je n'ai pas un bon boulot. Ouais, c'est vrai, t'es pauvre, c'est vrai, mais... N'oublie pas que tu es nanti de diplôme. Qui sait? Demain, la situation peut changer. Écoute, bats-toi, ok? Bats-toi pour la mériter. D'accord? Sois fort, frère. Coupez, c'est bon. Vous me rendez heureux par votre boulot, les gars. On remballe tout et on se dit à demain. Hé, hey, Michel! Mais bordel, qu'est-ce que tu fais là? Je suis au pays pour un temps de ressourcement, man. Super, comment tu vas, Suzanne, les enfants?
Comme tu peux le constater, je vais bien. Les enfants aussi. Suzanne va les accompagner chez ses parents avant de me rejoindre ce week-end. Cool, d'accord, on va pas rester là. Allons à la maison. Suzanne et les enfants seront contents de te voir. Ils ont tellement adoré ton film. Waouh. Mais avant, on va passer dans mon hôtel pour que je prenne les paquets des enfants. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vais appeler John. Fred. Tu seras content de te revoir. S'agit de ma vie, je n'aime pas ma vie. Toujours prompt à m'écouter, ma baby. Alors là, le mec cravatant fermement Michel et menacé de son poignard. Fred et moi qui étions à genoux en train de supplier. La meilleure, c'est quand Fred a pissé sur lui. Exact. Et on ne pensait même pas compter sur lui. Mais quand les amis du maire reviennent en courant, et il s'est levé, il a enfoncé sur lui et il l'est plaqué au sol. Et comme il me tenait, Michel a arrêté de pleurnicher avec John et il lui a attribué les coups de pied. Il m'a lâché et puis on a pris la poulet d'escampette. Je ne vais jamais oublier ce jour. Attends Fred, je tiens toujours à te dire, si ce n'était ton intervention, il nous aurait lynché. Donc, j'ai épousé un héros. Alors, levons nos verres à mon héros. À notre héros. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À l'arrivée de Suzanne, nous irons en campagne juste pour avoir un temps pour nous. Super! Passez-nous dire au revoir avant d'aller jouer aux amoureux. Soyez toujours ainsi. J'aime vous voir comme ça. T'inquiète, ça ne risque pas de changer. Hey les gars, je suis à côté. Mais marie-toi! Gars, on se voit après, non? Allez, Sonia. Ciao. C'est pas possible. Vous m'avez dit qu'il serait ici avant 9h. De quoi? C'est pas normal, ça. Vous me faites perdre une journée de tournage comme ça. Savez-vous combien de francs ça me coûte la journée? Écoutez, arrangez-vous que je laisse ce soir avant 18h, ok? Est-ce que je me suis fait bien entendre? Merde! Fred! Oui, Ben. On ne pourra pas tourner ce soir. Ils disent que le camion a eu une panne en route et qu'ils ne pourront pas être là avant 18h. Donc tout sera quand même prêt pour demain? Oui, je l'espère. Bon, du courage, hein. D'accord. Fred? Oui, chérie, comment tu vas? Tu fais quoi à la cuisine? Comme tu peux le voir, il n'y a pas que les femmes pour tenir un couteau. Et la cuisinière? Je l'ai commissionnée car je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Problème de matériel sur le plateau. Ah, je te présente Franck, mon collègue. Franck, Fred, mon mari. Enchanté, Franck. Enchanté. Faut pas me distraire. Donc, c'est ainsi que sont vos journées. Vous êtes des gros bosseurs. Non. C'est rien la communication d'entreprise par rapport à votre métier. Je me suis toujours dit qu'il fallait être un génie pour s'en sortir. Non, c'est juste qu'il faut être réaliste et puis aimer le travail en équipe. Et aussi, avoir une charmante épouse comme la mienne. N'est-ce pas, chérie? Votre repas est vraiment délicieux. Vous cuisinez comme un dieu. Merci, mon ami. Il tient cela de son père.
Merci. Merci, Angéline. T'es un ange. Non, monsieur, c'est vous qui êtes un ange. C'est ainsi que la princesse, grâce à sa peluche, récupéra le trône et épousa le prince. Dis, maman, m'achèterais-tu un nounours en peluche pour mon anniversaire? Oui, ma princesse, et pas n'importe lequel. Un énorme nounours en peluche. Promis? Promis. Allez, rendors-toi. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bon, que pensez-vous d'un week-end pour Limbo au Kribi? Super! Oui! Et où préférez-vous qu'on aille? Moi, je propose qu'on aille. Non, cette fois-ci, c'est les enfants qui choisissent. Non, 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 n'influence pas les décisions, chérie. La dernière fois, Darwin et moi n'avions pas fini notre château de sable. Alors c'est Kribi! D'accord. T'es un amour. C'est pour cela que tu m'as épousée. Nous irons samedi et rentrerons dimanche matin. Ça vous va? Oui! Super! Ils se sont endormis? Oui. Tu es vraiment sûr que tu veux faire ce voyage? Plus que tout au monde. Je souhaite passer de bons moments avec ma famille. Rassure-toi, le roi Grenouille est de retour et n'ira nulle part. Mais est-ce que tu te libéreras vraiment? C'est ça mon problème. Il est vrai que demain je finirai vers 22h. Ceci dit au retard que nous avons accusé. Je bloque la dernière scène et je suis à vous. Ça sera vraiment un excellent week-end pour nous tous. Ce n'est rien, vu ce que je prévois pour les vacances. Quoi? Qu'est-ce que tu prépares? Je voulais te faire une surprise, mais bon... Dis-moi, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu prévois? Je prévois t'amener avec les enfants à Londres pour les vacances. Sérieux? Oh, merci mon chéri! Oh, merci beaucoup! Oh, je t'aime, mon roi Grenouille. Je t'aime, ma reine Grenouille. Je ne comprends pas pourquoi un petit détail pareil a pu les échapper. C'est pire à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein? Voilà. S'il faille tout nous aujourd'hui, va falloir refaire toute la déco. Alors Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On range tout et on reprend lundi. Bon les gars, aidez-moi à ranger le matériel. Tu me tues. Je n'aurais jamais
suis tombé amoureux de toi. Jolie fille du quartier, tellement belle, trop de charme. On rencontre beaucoup de surprises ces derniers temps. Heureusement que nous sommes presque à la fin du tournage. Tu l'as dit. C'est peut-être le signe pour nous faire comprendre que nous faisons un bon film. Mais ouais. Bon, ben, on se dit à lundi. Ah, ok. Tu salues Sonia et les enfants de ma part. Je ne manquerai pas. À toi de même. Alors, tu rentres? Ouais, à lundi matin. Porte-toi bien. Ok, merci. Non, t'inquiète, il n'est pas là. Chérie, j'espère que rien ne va gâcher cet instant. Bienvenue chez nous, on bosse dur pour être au rendez-vous. Ici, pas de film, à fuck les jaloux. Yeah, every day, walk hard, yeah. On est ready. Bonjour Angéline. Ça va? Bonjour, ça va bien monsieur. Chérie? 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 Tu te saoules avant de trouver ta cible. Je peux te faire passer des moments inoubliables. Alors, beau gosse. Sur mon corps, ça me fait du bien. Oh baby, danse avec moi. Oh baby, danse avec moi. Danse avec moi. Oh baby, danse avec moi. Merci papa. Je comprends maintenant pourquoi Sonia a insisté au téléphone. C'est une histoire vraiment embarrassante. Que comptes-tu faire, Fred? Je ne sais pas, papa. Je ne sais vraiment pas. Une raison particulière? Mon fils, je ne te l'ai jamais dit. Mais il faut que tu le saches. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Depuis que nous avons perdu ton maman, je n'ai pas eu le courage de m'intéresser à une autre femme. Parce qu'elle m'avait tout pris. C'était une femme magnifique. Moi, je faisais des virées dans des boîtes de nuit. Je dormais même dans des hôtels avec des femmes. Je faisais couler l'alcool à flot. Mais ta mère ne m'a pas quitté pour autant.
elle m'a supporté. Tous mes débordements, toutes mes déviances, elle m'a poussé à changer. Elle m'a façonné. Elle a fait de moi un homme. L'homme que je suis aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elle m'aimait. De tout son cœur. De toute son âme. Elle m'aimait. C'était une bonne épouse. Et une bonne mère. Laisse-moi te poser une question, Fred. Est-ce que tu aimes ta femme? Bien sûr, papa. Et c'est ça le comble. Alors arrête de faire comme ce piètre soldat qui bat en retraite au premier coup de feu de l'ennemi. Tu dois combattre, mon garçon, avec toutes les munitions. Utilise la baïonnette s'il le faut. Mais tu dois sauver ton couple. Comment? Comment, papa? Je me souviens du pire moment que j'ai passé dans ma vie. C'est quand ta mère a gardé son silence. Elle est restée elle-même, lucide. Alors qu'elle venait de me surprendre avec ma secrétaire, en plein ébat. Que tu trouvais coquette à l'époque, papa. C'est drôle, oui. Mais c'est une période que je n'ai jamais voulu plus vivre. Que me conseilles-tu, papa? La Bible dit, le pardon est plus grand que la vengeance. Et la compassion plus grande que la colère. D'ailleurs, je me souviens de cette écrivaine allemande que j'ai lue quelque part. Elisabeth Kübler-Ross. Je cite, lorsqu'il n'y a plus de mots, ne cherche ni à parler, ni à penser à autre chose. Le silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles. Rentre chez toi, petit. Vis comme d'habitude. Fais tout comme prévu. Et surtout, garde le silence face à elle. N'en parle à personne et ne lui adresse pas la parole. Laisse que ce soit elle qui en parle. Fais comme si de rien ne s'était passé. Ça ne sera pas facile, papa. Ça ne sera pas facile de supporter son regard. Tu peux le faire, Fred. Tu es le fils de ta mère, ne l'oublie pas. Si elle est pour toi, elle te retournera. Merci. Merci, papa. C'est pour cela que j'aime causer avec toi. Allez, viens là. Sois fort.
Maman, 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 lève-toi, on va être en retard, lève-toi. Arrêtez de courir partout, vous risquerez de vous blesser. Va t'habiller, maman. On veut arriver tôt pour construire notre château de sable. Je ne vais pas pouvoir partir. Je ne me sens pas bien. J'ai une petite migraine. C'est compris? Papa, papa, maman dit qu'elle a une migraine et qu'elle ne peut pas venir. J'ai prévu un week-end en famille. Si elle ne va pas bien, alors nous serons obligés de rester avec elle pour la soutenir. D'accord. Écoute, Pélagie, Rodrigue t'aime et souffre de ce que tu lui fais. Je sais que j'ai merdé cette fois-ci. Mais tu peux encore tout arranger. Il t'aime vraiment. Il a besoin de toi. Comment faire? Je... Coupez! Vous n'êtes pas réel bon sang, Fred. Vous n'êtes pas réel. Mais soyez professionnel. Il ne joue pas comme il faut. Calme-toi, Fred. Comment tu vas? Je vais bien. Je te demande cela parce que je te sens très tendu depuis un bon bout de temps. Calme-toi, ok? C'est vrai que nous passons des moments difficiles depuis un bon bout de temps, mais... heureusement, nous sommes presque à la fin du tournage. Ressaisis-toi. Si tu as un problème qui te dérange, tu peux m'en parler, ok? Il n'y a rien. Tout va bien. D'accord. Je peux retourner? Vas-y.
quoi le souci, chérie? Vas-y, dis-le, c'est quoi le problème, baby? Vas-y, dis-le, c'est quoi ce silence? Ce silence, c'est quoi ce silence? Ce silence, oh, oh, oh. C'est quoi cette manière de faire? C'est quoi le souci, chérie? Vas-y, dis-le, c'est quoi le problème, baby? Vas-y, dis-le, c'est quoi ce silence? Ce silence, c'est quoi ce silence? Ce silence, oh, oh, oh. Ok. Bébé, c'était qui au téléphone? Sonia. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me fait comprendre que Fred ne va pas très fort. Ok chérie, je t'ai dit que j'allais me faire les cheveux, donc je suis en train d'y aller. Ah, on va y aller ensemble. Dis, bébé, que comptes-tu faire de la situation de Fred? Allô, Michel. Comment tu vas? Ok. Ça m'arrange. À tout de suite, alors. D'accord, Michel. Elle me dit chaque jour. Chaque soir, je t'assure, ça me gêne. Elle me dit chaque jour qu'elle m'aime. Chaque soir, je t'assure, ça me gêne. Alors, gars, le tournage avance? On a eu quelques petits soucis ces derniers temps. Mais bon, nous sommes presque à la fin. Environ 12 scènes à tourner. Et la maison, c'est comment? Bœuf, tout va bien. J'ai reçu un coup de fil de Sonia et elle m'avait l'air embarrassée par quelque chose. Est-ce que tout va bien entre vous? Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Mais bon, demain je ne travaille pas. Vous pouvez passer à la maison et Suzanne en profitera pour saluer les enfants. Pourquoi pas? Comment tu vas, princesse? On dirait que tu m'évites. Tu ne veux plus me voir? Quoi? Tu ne te soucies même pas de mon foyer? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que... Que quoi? Hein? Quoi? Il s'agit là de mon couple.
de ma famille, de ma vie qui est en train de se détruire à cause d'une stupide folie que nous avons faite. Et là, tu me demandes si je t'évite? Oui, je t'évite. Si tu pouvais disparaître, que je ne te revois plus jamais. Si seulement cette bêtise n'avait jamais eu lieu. Et ne me touche plus jamais. T'avise plus jamais de poser les mains sur moi. Ne m'aborde plus jamais. Évite-moi. Je parie que c'est mon pote qui te façonne. Bien évidemment. Bonsoir tout le monde. Hey, Sonia. Et comment tu vas ma chérie? Oh, tu es belle. Comment tu vas Michel? Waouh, ça va Sonia. Ça va. Tu arrives quand nous sommes sur le point de partir. Oh non, déjà? Oh. Je peux te voir un instant? Oh, d'accord. Comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je ne vois rien qui cloche. Qu'y a-t-il au juste? Hey! Tu m'écoutes au moins? Je le trouve un peu stressé ces derniers temps. Je me disais qu'avec toi, il allait s'évader. Mais non. Ok. Ça va aller. Chérie, on peut y aller? Franchement, j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec vous. Ok. Nous avons passé un très bel après-midi ensemble. Ce fut un plaisir. Te souviens-tu du conseil que tu m'avais donné le jour de mon mariage? Non, puisque je t'ai donné un tas de conseils à ton mariage. Tu m'as dit, Michel, sache que tu es une femme formidable. Quels qu'en soient les différends que vous aurez, arrange-toi à rester avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Et je tiens toujours à maintenir ces propos. Alors, sache qu'aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai dit. Ok. On se calme. C'est ta nouvelle victime? Arrête, s'il te plaît. On n'a pas besoin de ça.
Pardonne-moi. C'est juste que j'étais un peu débordée. Ça va. Tu vois ce que cela a failli causer? Promets-moi de ne plus jamais fumer. Promets-moi. Promets-moi. Je te le promets, chérie. Mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es devenue très récluse sur toi-même. Tu ne prends plus soin de toi. Non, ça va. C'est juste que je ne me sens pas bien ces derniers temps. Ok, Fred est là? Non, il est allé jouer au tennis avec un ami. Ah bon? Donc je pourrais t'inviter? Et où ça? On ira se faire une beauté. Bienvenue chez nous, on bosse dur pour être au rendez-vous. Ici pas de filles, ma fuck les jaloux. Yeah, everyday, walk hard, yeah. On est ready, ready. On fait la musique pour les beaux, les ladies. On est prêts, yeah. We kiffe notre musique, you know. N'hésite pas de bouger la tête. One more time, yeah. Les filles, j'ai une amie qui s'est fait surprendre par son mari. Ah bon? Et qu'a-t-elle fait? Elle s'est mise à supplier son homme. C'est normal. Toi, tu aurais fait quoi? Supplier quoi? Pourquoi? Quand il me trompe, je suis avec lui. J'ai mon argent. Bien parlé. Ma sœur, qu'est-ce que tu en penses? Ma chère, j'ai mon argent. Je ne supplie rien. S'il veut qu'il me quitte... Excusez-moi, mesdames, si l'émancipation de la femme devait rimer avec manque de respect aux hommes, alors je pense que nous faisons fausse route. Vous mettez tout sur le compte de vos moyens. Il faut apprendre à respecter vos hommes. Ils ne sont pas tous infidèles ou incrédules. Si vous voulez une vie solide, il faut tout faire pour consolider vos foyers. Et ce, quels qu'en soient les déraillements. Ma chérie, rester de son côté ne résout pas le problème. Tu feras mieux d'en parler avec ton mari. Cette situation risque de détruire ton foyer. Que vais-je faire? Comment faire pour aborder le sujet? Humilie-toi. Dès que tu commenceras à en parler, ça ira mieux. Ça ne sera pas facile du tout. Ça l'est. Thank you.
Allô? Donc elle ne se sentait pas bien. C'est pas grave. C'est vrai que depuis quelque temps, elle n'est plus elle-même. À votre retour, il faudra lui dire que je lui accorde quelques jours de repos. D'accord. Bonne journée. D'accord. C'était ton mari. Il arrive. Que s'est-il passé? Mais parle, bon sang! Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fred. Comment vas-tu? Je vais très bien, papa. Que se passe-t-il? On ne sait pas. Je croyais que tu pouvais nous édifier. Je ne sais pas. C'est son patron qui m'a informé de son absence au travail. Au fait, il propose que tu prennes quelques jours de repos pour récupérer. Car, dit-il, ça fait quelque temps que tu n'es plus toi au travail. Qu'y a-t-il? C'est ainsi depuis son arrivée ce matin. Elle pleure et ne dit rien. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pouvons-nous rentrer à la maison? J'ai besoin de 2 ou 3 jours pour réfléchir. Je t'aime. Tous deux savaient ce qui s'est passé. Mais j'espère seulement que tu ne l'as pas frappé ou trompé avec une autre femme. Parce que ça, je ne te le pardonnerai jamais. Marguerite! Je connais ce garçon depuis son jeune âge. Je connais son père, son intégrité et sa loyauté. Excuse les propos de mon épouse. Sans problème. Je vais rassurer les enfants. Je t'accompagne. S'il te plaît, ne tiens pas rigueur aux propos de ma femme. Ne vous inquiétez pas. Prenez plutôt soin de la mienne. Je repasserai demain. D'accord. À demain. Merci, papa. Prends cette tisane, ça va t'aider. Bon, je vais te laisser. Repose-toi bien. Peut-être demain, si tu voudras bien, on pourra en parler. See, don't see.
Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Ça va. C'est l'état de ta soeur qui m'inquiète. Où est-elle? Elle est dans sa chambre. Ok, je vais aller la voir. Vas-y. Et papa? À la catéchèse. Puis-je entrer, petite sœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous êtes disputé? Je vois. Il t'a trompé. C'est ça, n'est-ce pas? Les hommes. Ils sont tous pareils. Sonia. 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 Maman! Sonia. Sonia. Maman! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? C'est quoi? Attends, 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 maman. S'il te plaît, appelle ton père. Attends, 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 attends. Patience. Attends. Allô? Ok. J'arrive tout de suite. Il doit être encore en train de travailler. Appelle Angéline la nounou. Tu lui passes la nouvelle. Ah, tu as raison. Allô? Ah, comment vas-tu, Arcel? Ça va bien, papy. Et maman, comment va-t-elle? Oui, ta maman va bien. J'espère que tu as bien fait tes devoirs. Oui, et j'ai eu 10 sur 10 en expression écrite. Ah, bravo! Peux-tu me passer maman Angéline, s'il te plaît? Maman Angéline, maman Angéline! Oui, Arcel! Je te la passe. Bonne journée, papy. Bisous, ma princesse. Toi, retourne à tes cahiers. Allô? Angéline, c'est Simon. Où est-elle? Où est ma femme?
Calme-toi, mon fils. Ça va aller. Le médecin a demandé à te voir dès ton arrivée. On lui a fait un scanner qui ne montre aucune anomalie. Aussi, tous les examens sont négatifs. Mais d'après notre psychologue, ce serait dû à un trouble psychologique. Que faut-il faire, docteur? Avec lui, on a réfléchi et abouti à cette conclusion. Comme vous avez des enfants, il faudra les amener. À leur vue, on observera sa réaction. Ok, il n'y a pas de problème. Demain, je les amènerai. D'accord. Va te reposer à la maison. Non, maman. Je vais rester auprès d'elle. Chérie, chérie. Sonia. Ça va. Sonia, chérie, ça c'est va. Quoi ma fille? Ça va. Calme-toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Calme-toi, bébé, calme-toi. Bonjour Ben, comment tu vas? C'est à moi de te demander comment tu vas. Comment va-t-elle? Elle est stable. Je vais suspendre le tournage pour un temps. Le temps que tu récupères et que tu te sentes mieux. Ne fais pas ça, Ben. Georges, mon assistant, peut gérer le plateau. Nous avons déjà planifié tout le reste du tournage ensemble. Il peut le faire, Ben. Fais-moi confiance. Et je serai de retour avant la fin. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Je peux la voir. Ok. Allons-y. Hassel, arrête de manipuler cette télécommande. Papa! Comment tu vas, princesse? Ils sont prêts, messieurs. Messieurs, allez-vous la ramener? Je ne sais pas. Il faut vraiment qu'elle revienne, monsieur. Papa, qu'est-ce que maman a? Elle a eu un malaise. Et pourquoi est-elle à l'hôpital? Justement parce qu'elle a eu un malaise, chérie. Nous allons rentrer avec elle. C'est ce que j'espère. Allons-y. Maman. Ah!
Que vais-je faire, papa? Les enfants ont eu tellement peur face à tout cela. C'est allé beaucoup trop loin. Pourquoi est-elle si têtue et refuse d'en parler? Aide-moi, papa, s'il te plaît. J'ai besoin d'un conseil. Tu dois réagir, mon garçon. Comme le docteur a dit qu'il s'agit d'un problème de trouble psychologique, il faut en parler avec elle, en présence du psychologue et aussi de sa maman si possible. C'est ce qu'on nous faisait à l'armée quand on revenait d'un champ de tir, surtout quand il y avait du grabuge. Il faut tout faire pour maintenir son papa à l'écart. Tu sais comment il est. Penses-tu que ça pourra la guérir, papa? En principe, oui. Mais il faut tout remettre entre les mains du bon Dieu. Comment tu vas, princesse? Maman va-t-elle guérir? Oui, princesse. Elle va guérir. Elle m'a promis une énorme peluche pour mon anniversaire. Tu sais que maman tient à ses promesses, non, chérie? Elle va t'apporter ta peluche. Donc, tu crois qu'elle va guérir à mon anniversaire? Tu peux faire quelque chose pour moi? Allez, prie pour maman. Tonton Jésus, s'il te plaît, viens guérir ma maman. Toi-même, tu sais que c'est la meilleure maman de la terre. Et papa, nous l'aimons beaucoup. Fais qu'elle soit de retour à la maison. Amen. Allez. Tu dors bien. Papa, peux-tu passer la nuit avec moi? D'accord, mon ange. Allez, viens dans mes bras. C'est tout cela qui me trouble, mon père. Écoute, le conseil de ton père est ce dont tu dois faire. La situation que vous vivez est celle qui la trouble et la rend malade. Le silence a beaucoup de vertus. Pour quelqu'un qui se reclut sur lui-même, le silence peut s'avérer être un châtiment. Pardonne-la et rebâtissez votre vie. Tu viens de me prouver là que tu ne doutes pas de son amour pour toi. Alors parle-en avec elle de ce qui se passait et cesse de lui faire vivre ce calvaire. Mon père, pourrais-je me confesser? On essaie toujours de percer l'abcès. Mais elle ne lâche pas prise. À croire qu'elle est sérieusement touchée. Mais actuellement, elle est avec le psychologue. Oui, je comprends. Je suis venu vous voir parce que je veux qu'elle sorte aujourd'hui même. Comment ça?
Et qui va la suivre à la maison? Elle va guérir. Faites-moi confiance, docteur. Je veux plutôt que vous m'aidiez à y arriver. Mais nous sommes là pour ça. Ok. Bonjour. Le docteur demande à vous voir dans son bureau. D'accord. Je vais sortir avec Sonia aujourd'hui. Comment ça? Tu vois son état, hein? Il n'est pas convenable une telle issue. Vous m'avez dit qu'elle souffre d'un trouble psychologique. Dû à un blocage émotionnel et que si elle en parle, elle sera guérie. Oui, c'est vrai. Mais depuis qu'elle est dans cet état, elle n'a pas dit un seul mot. Je sais ce qu'elle n'arrive pas à dire. Mais je vais le faire à sa place. Mais avant tout, promettez-moi que ce qui se dira ici restera secret. Papa Simon ne doit pas être au courant. Je me suis entendu avec le médecin pour l'occuper. Pourquoi tout ce mystère? Que s'est-il passé? Vous allez comprendre. C'est ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas été assez humble pour s'exprimer sur le sujet. J'avais peur et honte de te perdre. Sonia! Vous comprenez donc la raison pour laquelle papa Simon ne doit pas être au courant, car il ne lui pardonnera jamais. D'ailleurs, personne ne doit être au courant. Ça a été une folie. Je t'en prie, pardonne-moi. Sonia, est-ce la seule folie que tu as faite? J'ai failli fumer, mais je te jure que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu sais ce que j'ai enduré pendant tout ce temps? Monsieur, le pardon vous délivrera tous les deux. Je t'aime, frère. Je t'aime. Pardonne-moi, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Si vous êtes un croyant, je pense que c'est le moment de prier. Ah! Justement, c'est ce qu'il faut. Entrez!
Un miracle s'est produit. Sonia va mieux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bon, nous devons partir. J'espère que vous serez présent à l'anniversaire d'Arcel. Oh là là, c'est demain. Hé, j'avais oublié. Nous ne manquerons cela pour rien au monde. Ok. Vous aussi êtes invité. Vous faites déjà partie de la famille. Ah, avec plaisir. J'allais oublier. Ça se passe à la nouvelle maison. Comment ça? Elle est terminée? Oui, maman. J'ai tenu à ce que l'anniversaire se passe là-bas. Tu es un homme bon, Fred. Que Dieu te bénisse. Je me rappelle la première rencontre. Quand je t'ai vu, j'ai su que tu étais la bonne. Mon cœur a basculé, il a chaviré. Trop d'émotions au même moment. Et j'ai paniqué, j'ai pas eu le courage de t'affronter. Mais baby, toi t'es venu près de moi. Tu m'as souri, c'était le début d'une belle histoire. Je ne saurais faire semblant. Je te jure que moi je t'aime chaque jour. Bon, je vais faire un tour à la maison pour te prendre quelques vêtements. Je reviens. Tout à l'heure. Alors, Angéline. Oui, monsieur. Comment ça s'annonce? Très bien, monsieur. J'espère que tout est prêt pour demain. Nous attendons le camion pour charger les derniers cartons, monsieur. D'accord. J'espère que tu vas aimer la nouvelle maison. J'espère aussi, monsieur. Oh, que je suis comblé. Baby, tu me rends trop appelé. Je te promets de garder mes sentiments. Si quelqu'un te parle de moi, lui, il ment. Je ne saurais faire semblant. Je te jure que moi, je t'aime. Chaque jour, encore plus fort. Baby girl, I love you, my love. Oh my baby girl, I love you, my love. Oh my baby girl, I love you, my love. Comment tu as su? Elle me l'a dit. Et comme c'est demain...
Calme-toi. Ça va aller. Je t'aime, chérie. Fred, tu es un don du ciel pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Je te remercie. Pardonne-moi pour tous mes défauts. Pardonne-moi. Je t'aime, Fred. Je t'aime. Tu crois que tu es quoi? Rien? Non. J'ai eu mal parce que ma lumière se faisait voler. Sonia, tu es entrée dans ma vie et tu l'as changée. Tu es la seule qui sait me remettre sur les rails. Tu es la lumière qui m'éclaire. Que deviendrais-je sans toi? Je t'aime moi aussi, Sonia. Je t'aime plus que tout. Moi aussi, je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. Ne me quitte plus jamais, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur. On vous attend pour la coupure du gâteau. Ok. On arrive. On arrive. Seigneur, fais que ma famille reste toujours unie. Merci. Je me rappelle la première rencontre. Quand je t'ai vu, je sais que tu étais la bonne. Mon cœur a basculé, il a chaviré. Trop d'émotions pour mes moments. Et j'ai paniqué, j'ai pas eu le courage de t'affronter. Mais baby, toi t'es venu près de moi. Tu m'as souri. Je ne saurais faire semblant. Je te jure que moi je t'aime. Chaque jour encore plus fort. Baby girl, I love you, my love. Oh my baby girl, I love you, my
cru que l'amour était mort, apparu dans ma vie. Wande moule maman mon possédant. Dans les bons, les mauvais moments, t'es toujours là. Mais baby, toi t'es venu près de moi. Tu m'as souri, c'était le début d'une belle histoire. Je ne saurais faire semblant. Je te jure que moi je t'aime chaque jour encore plus fort. Baby girl, I love.